Salut, station fréquence. Les mains se tressent à côté à vous tous de la part de Dindy 33. Et c'est parti pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Donc on est le vendredi 8 décembre 2017. Ok, j'ai pas mal de bruit de mon côté, les 63 Xav, là j'ai eu du mal à te sortir, mais ça c'est vraiment à cause là de mon côté là. Oh putain la vache, ces difficultés là, je sens que ce soir ça va pas être top moi de mon côté là. Et 73 Michel. Merci, merci. Il y avait quelqu'un au loin qui essayait de parler aussi, mais c'est tout petit, tout petit. Oui, la station qui avait commencé avant Xavier, là. Si vous pouvez revenir, retour à vous, on vous laisse en place. Et 73 Michel, alors comment vas-tu? As-tu profité un petit peu là des quelques passages de propag qu'il y a eu cette semaine? Oh, il y en a eu un peu, oui, on s'est amusé, mais il vient de profiter de la jolie musique que nous transmet notre ami Fredo par moment. Et sur le 27 1975, il fait des essais et il arrive de la musique. C'est pas mal du tout. Il me semble entendre parler derrière dans le QRM, non, mais je suis pas sûr. Ok, non, mais tu vois, là, je savais pas du tout. Hein. J'imagine que c'est du Johnny. Et puis là, c'est vrai qu'en plus de ça, là, j'ai un paquet de... Pourtant, au niveau signal, c'est pas fort. Mais vu que je suis loin de Bordeaux, tout ça, c'est suffisant pour couvrir. Justement, j'allais demander si le maître du web SDR était là. Bon, ok. J'espère que je suis moins d'une personne. Qui avait dit de vous signaler, vous avez dit.
Ok, oui, je l'ai à peine entendu. Mais bon, c'est indécodable de mon côté, là, à cause du petit QRM là, que j'ai, là, qui couvre tout le monde. Les 73, Laurent, voilà, de la part de Dindy 33, en espérant que ça va bien de ton côté, qu'au niveau météo, ça aille aussi, t'es pas trop froid. Quoique, là où tu es, ça va pas être mal. De mon côté, j'ai quoi? Alors, j'ai 5 degrés, là, de mon côté, là, au QRA. Enfin, bref, dehors. Eh ben tiens, rien, que dalle. Ok, non, bah tu vois, là, tu me dis tout à l'heure qu'il est passé plus fort, mais là, de mon côté, non, rien. Bon, j'en profite, là, pour envoyer les 73-51 à ceux-là qui sont connectés au chat, hein, plus ceux qui sont à l'écoute derrière. Voilà, alors, les bons 73-51 de la soirée du QSO, là, à 14 Alfa Romeo 1995, 14 Charlie Hotel 22, 14 Hotel India Romeo 12, 14 Mike Sierra 033, 14 ODR 860 qui est connecté aussi derrière, 14 Papa Whisky 711, 14 Zulu Golf Delta 50, Cyril, attends, j'allais me citer moi en plus, Hachi, Fredo, Gonzague, Oscar 62, Barracuda 56. Les 213-51 à vous tous, ainsi qu'aux écouteurs qui sont juste derrière la porte. Oscar, ah, parce que là, moi, tu vois, je vois 14 Mike Sierra Oscar 33 là sur le listing. Ah, ok, autant pour moi, d'accord. 14 Mike Sierra 033, ok, désolé. La propagation, c'est bon. D'accord.
Toronto, j'ai entendu quelqu'un au loin qui se signale, s'il veut bien revenir. Alors il m'a semblé que c'était le département 32, hein, mais sous toute réserve. Les 73, 51 à vous, si vous avez ma copie. Rien de rien. Rien nulle part. Et j'ai entre 2 et 3 points de QRM, et vu la distance, c'est suffisant pour couvrir tout le monde. Les 73 Doudou, si tu arrives à m'entendre là, de ton côté. Là. Porteuse. Derrière Doudou, il y avait une petite porteuse. Ah, pour justement pour les nettoyer les QRM. Ouais, bon, c'est bon alors. C'est clair. Oscar 62, vu la fréquence que tu annonces, ouais, mais si haut, on n'est plus sur les 40 canaux là. Et Barracuda qui s'est lamente là pour la semaine prochaine qu'il n'aura pas son TX.
Oui, Oscar 62. Le but, en même temps, du QSO, là, du canal 27, c'est de faire redescendre un petit peu les OM du côté là, des 40 canaux pour remettre un peu plus d'activité. Il y a de l'activité en OM, mais c'est chacun sur leur canal habituel sans en sortir. Et ce QSO permet de montrer autre chose en même temps sur la plage des 40 canaux. Voilà, c'est surtout ça, quoi. En plus de tout le reste. Mais je te signale que ce que dit Oscar, il y en a beaucoup qui s'en sont rendus compte et qui ont décidé maintenant de faire leur petit QSO personnel sur le 800-850-900. Il y en a qui passent par l'autorité de la barrière. Encore dans les 40 canaux, mais c'est vrai qu'il y a moins de QRM, enfin, pour eux, il y a moins de QRM parce qu'on n'en est pas, alors de toute façon. Et alors, il y en a beaucoup qui montent là-haut, c'est vrai, il a raison. Vous faites comme vous voulez, c'est. Allez-y, moi je reste là. Ok, je comprends bien, Xav, hein. Mais moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez tous monter là-haut, allez-y. On met fin au QSO régional du canal 27, là maintenant, et puis voilà. C'est pas moi que ça va embêter le plus. Hein. C'est si le choix de tout le monde est pour monter là-haut, mais il n'y a aucun problème, allez-y. C'est pas du tout un problème. Quand je dis ça, c'est sur le ton du que je comprends les QRM qu'il y a. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, là, en ce moment, là, je suis un petit peu. J'ai un peu de QRM aussi. J'ai du mal à entendre tout le monde. Mais non, moi, perso, je n'irai pas là-haut. Mais allez-y, faut pas vous gêner. Au contraire, je vous motive à y aller. Hein, il n'y a pas de problème. On met fin au QSO là, du canal 27, la section sud-ouest, et puis terminé. Thank you.
Non mais je comprends bien. Je soumets deux personnes. Non, c'est bon, vu ce que j'entends dans le casque, ça va. Non, mais il n'y a pas de problème. Ben, tiens, par exemple, là, demain soir et dimanche. Bon, là, je pourrais pas être en QSO. Donc là, ça va être l'occasion justement là que vous déménagez tous là-haut, quoi. Voilà, donc moi perso, il n'y a aucun problème. Ça me fait aucune différence, c'est pas grave. C'est, je comprends largement le fait que vous préférez tous faire un QSO là où c'est plus propre. Voilà, c'est normal, on va dire, c'est humain quelque part. Voilà. Hein. Non, mais de toute façon, pour le QSO du canal 27, ok, je l'ai lancé sur la Gironde. Rien ne dit que le QSO est quelque chose qui est prévu de fonctionner à vie. Si aujourd'hui, à cause des QRM, c'est plus possible de le poursuivre, mais il n'y a pas de problème, on l'arrête là, parce que je comprends largement hein, le fait qu'il y a des QRM. Après, on n'est pas non plus beaucoup, on doit être allé à tout péter une dizaine à faire de la civile dans le coin. On va dire, oui, voilà, allez, je compte un peu plus large, allez, une quinzaine. Bon, voilà, les gens aussi font leur QSO depuis pas mal de temps sur leur canot. Ensuite, ou le sup. Il y en a beaucoup qui ne voient pas le soir. Bon, voilà, tu sais, les QSO, bon, il y en a qu'un en général, il est sur le 530, voilà, ils sont trois à discuter. Le soir, et puis après ça, voilà, à 21h30, c'est fini, il n'y a plus rien à écouter, il n'y a plus personne qui parle. Donc, c'est vrai que bon, ça limite aussi, on va dire, les OM qui prennent le micro, quoi, parce que bon, c'est un petit peu le souci, toi aussi. Bon, ben, entre ça, le QRM, le peu d'opérateurs, bon, on essaie d'être un peu les résistants de la radio, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, je te prends un café. Ah, je t'ai tout à fait derrière. Excuse-moi, Michel, j'ai parlé en même temps que toi. Oui, la station qui parle des QRM. Oui, Barracuda signale que bon, il y a le problème des antennes et puis le roche aussi, alors il faudra peut-être pour quand même danser. Bon, Cyril. D'allumer l'ampli. Hein. On va mettre un petit souci quelque part, hein, parce que vu le signal et vu la proximité, même si on arrive quand même bien mieux que ça, et puis
t'es très décalé aussi, hein. t'es un peu trop haut perché. Ok, NES 73 à toi, content de t'entendre ce soir. Oui, Barracuda 56, voilà aussi, c'est là le problème de taux, ça monte en si haut. C'est l'une des raisons pourquoi moi au QRA je peux suivre, il n'y a pas de problème. Et même si des fois j'ai une petite montée de taux, j'ai la possibilité d'enclencher la boîte d'accord. Mais je pense avant tout à ceux qui ne peuvent pas monter si haut. À ceux qui ont aussi que 40 canaux. Voilà, Barracuda, pourquoi, pour ma part, je déménagerai pas là-haut. Hein. Voilà. Mais après, les autres EM, on est sur la radio, on est sur la CB, chacun fait comme il l'entend, de toute façon. Hein. Alors, je regarde un truc. Je suis parti dans mes pensées. Les 73 Fredo, Hachi, content de t'entendre. Ouais, ça y est, je suis là. Bon, je fais un gros effort, hein, parce que là, je peux te dire que le canapé, depuis quelques minutes, là, il m'appelle. Mais bon, je me retiens, voilà. Ce soir, c'est le cul posé sur la chaise, là, au bureau, et à la radio avec vous, voilà. Retour, Xav. Oui, je reprends. Oui, Fredo, bah oui, mais, je comprends. Ça, le canapé, c'est l'appel, le summum de l'appel, c'est que là, il te regarde bien. Et ouais. Mais bon, enfin voilà, donc oui, pour revenir à ce que disait Rémi, bon après les 40 canaux, bon enfin voilà, c'est par rapport, là sur le QSO par exemple, il n'y a personne qui a un 40 canaux. On a tous la BLU, donc forcément on a tous les sub-1, ou plus. Affinité, mais bon, je crois qu'il n'y a personne qui ne module avec un 40 canaux, parce qu'un simple 40 canaux, on n'aurait que la MFM, il n'y aurait pas la BLU, donc après, il faut voir, hein, peut-être, voilà, il y a quelques stations en journée qui sont en MFM, comme les camping-cars, j'entends bien, mais quelqu'un qui se remet en fréquence comme c'est le cas là en ce moment, si tu regardes là sur soit sur les forums ou sur Facebook, là sur les différents groupes, les gens quand ils se remettent en fréquence, les EM quand ils se remettent en fréquence n'achètent pas directement un décamétrique à 3000 euros quoi. Enfin, je dis une connerie en disant ça. Bien souvent ils démarrent avec des petits postes. Comme là, qu'est-ce que j'ai vu là justement là sur le chat là, du WebSDR. J'arrive pas à retrouver le message. Oui, voilà, il y a un OM justement, tiens Cyril, qui vient d'amener à réparer deux Higuain. Je suis pas sûr que le Higuain monte aussi haut, par exemple. Thank you.
Ok. Là, c'est un débat là qui est pas évident là qu'on a. Hein. C'est non, mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'à la campagne on a moins de QRM et tout. C'est pas toujours évident. Parce que c'est vrai que je vois par exemple ce soir, même si le signal n'est pas très haut au niveau QRM, le bruit est quand même bien là, puisque j'ai du mal à te sortir par moment. Ah, je suis trois coups. Les 73, Ludovic. Ah non, Ludovic, c'est 51 à tous. Je vais sur autre chose à côté, et puis vous entendez débattre des histoires de 40 canaux. Donc voilà, j'apporterai ma pierre à l'édifice sur un prochain retour de micro. En attendant, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien. Si vous avez compris, il y a très doux. Ok, c'est bon, c'est moi que j'entends dans l'oreillette. Justement, tu vois, là, on n'a toujours pas donné les news de la semaine. On attendait que tu arrives. Ça, là, on s'impatientait. On s'est dit, il ne va pas y avoir de news ce soir. Il ne sera pas là. Et non, je plaisante. Oui, il y a des news, mais non, on n'attendait pas exprès. C'est que là, on était parti justement là sur l'histoire de 40 canaux, des QRM, de ceci, de cela. Qui embête pas mal de monde justement là sur cette plage de fréquence. Du coup, j'ai beaucoup de QRM à la maison.
fait quasiment, c'est sur ce canal-là. Donc, à la rigueur, d'un peu plus gros utilisateur, après Rémi, d'un peu plus gros utilisateur des 46 de 10 départements. Donc voilà. Allez, je fais tourner. Ah, si, il y avait Fredo, je crois que j'ai entendu Fredo aussi derrière. Pardon, j'ai pas salué. Donc, retourne à Fredo, je t'en prie. Je pense que Fredo a retourné le micro à quelqu'un, mais là, de mon côté, j'ai du mal à décortiquer. Hein. Retour Ludovic. Oui, ben, ça tombe bien que tu as repris le micro parce que Fredo te l'avait retourné. Ah ok, d'accord. Ben tu vois, je... Non, ce soir, là, moi, c'est vraiment pas propre, là, de mon côté. Ok. Alors, les news, puisque là, on les a pas encore données. Demain, il y a le alors que je bascule sur le site, voilà. Demain, il y a le FCBA 33 ou FCBA Florac, comme vous voulez, qui fête leur 20 ans d'existence. Voilà, il y a le RCI qui sera également présent et j'y vais également. Donc c'est pour ça que là demain soir, dimanche, je serai pas là dans le QSO. Voilà pour la première news. La deuxième news, elle concerne les radioamateurs et SWL. Alors il y a André 9 Alpha Lima 001 là du Québec, là qui invite les gens sur 3 mégas 780. Alors pour discuter avec le Père Noël. Voilà, pour discuter en direct avec le Père Noël. Alors ça, c'est pour dimanche 10 et le dimanche 17 décembre, de 18h30 à 19h. Donc là, je répète, le André 9 Alpha Lima 001, là du Québec, invite tout le monde à venir, c'est-à-dire radioamateur SWL, à venir sur le 3 mégas 780, voilà, 3 mégas 780, le dimanche 10 et 17 décembre de 18h30 à 19h. Voilà pour discuter avec le Père Noël. Voilà pour les news. Merci pour l'info Rémi. Mais malheureusement, je crois que les personnes présentes sur le QSO ce soir n'ont pas l'autorisation pour y aller. Tu peux me faire le QSP, Ludovic, parce que j'ai rien compris. Oui, non, vous avez dit que malheureusement, on n'a pas les gens présents sur le QSO n'ont pas la possibilité de venir s'exprimer sur cette fréquence-là, mais moi, ça peut être rigolo à écouter, puisque tu voulais que ça pouvait le faire aussi à SWL, bien sûr. Hein. Donc, ça peut être rigolo. Il y a peut-être moyen de rigoler un peu à écouter ça, donc voilà. Personnellement, moi j'y crois plus, donc même si j'avais la licence, j'aurais pas spécialement y parler, quoi. Voilà. En fait, c'est compliqué de faire, pour s'entendre, voilà, l'avenir de Big Bang, je l'entends pas, parce que de toute façon, il est complètement couvert par tout un tas de trucs qui sont derrière, voilà. Je suis content qu'il y ait Michel dans le QSO, nous sommes très 51 toi Michel, mais voilà, je savais pas que tu étais derrière en tout cas. Donc ben voilà, les bonnes amitiés à toi. Et puis voilà, merci pour les infos, hein, c'est cool. La FCBA 35 qui fait 7-20 ans, ça fait un sacré... ça rigole pas 20 ans quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations de civistes qui peuvent prétendre... Enfin, civistes ou du monde amateur à Dieu.
Ouais, c'est sûr. Pour la fréquence 3 780, j'ai bien précisé radio amateur et SWL. Voilà, je suis trois coups. Et donc, demain à partir de 16h30, oui, on est invité à partir de 16h30, oui, voilà, c'est ça. Et donc, on va passer le restant de l'après-midi, plus toute la soirée avec eux. Ça devrait être bien sympa, quoi. Donc, ça se passera pas très loin de chez toi, Ludovic, mais plus en bas, je crois. Oui, je crois que c'est ça, oui. Directement dans les quartiers là, de l'association là, FCBA 33. D'après l'adresse, oui, je crois que c'est ça. Attends, parce que là, j'ai du mal. Tu peux me revenir, là, Ludovic ? Je te demandais si c'est une activation ou pas. Demain ? Non, demain, il n'y a pas d'activation. Ludovic, tu as le calendrier, du forum. Oui, c'est la troisième news que j'ai oublié de dire. Tu as le calendrier du forum qui est mis à jour. Donc, il y a certainement quelques dates là, qui devraient t'intéresser. Une en particulier, certainement, mais j'attends d'abord que les OM, les radioamateurs, fassent leur réunion pour être plus sûr, quoi. Donc là, j'ai mis les news, j'ai mis les dates, mais bon, c'est sous réserve, quoi, on va dire. Le 21 décembre ? Qu'est-ce qu'il y a le 21 décembre ? On va voir sur ton calendrier. 21 décembre ? Ok, je vais voir ça. Je suis pas connecté, donc s'il y a quelque chose, là, non, je peux pas le voir, là. Ok, il faudra que je rate ça. Thank you.
pas pour l'essayer. Et du coup, bienvenue à m'appeler la même antenne que moi pour essayer aussi. Et puis on arrive pour faire un contact voilà, avec un signal plutôt de 3 sur 5 et bichette avec le petit paquet, voilà, moi Florac et puis Xavier à Gravignan. Point de manque de QRM de mon côté, je ne sais pas qui t'a repassé le micro. Il y a Michel aussi qui est toujours là avec nous derrière, qu'il ne faut pas oublier. Non, moi non plus. Il m'a semblé que, si j'ai bien compris, Michel t'a dit que tu lui arrivais à 56. Ok, je l'entendais bien, mais ça a coupé à 50, il a pas vu 50 et tout. Ça a coupé direct comme s'il y avait un contact quelque part. Là. Donc Michel, si t'es derrière, tu es là, je suis désolé. Moi, ça a coupé net, là. Je te retourne le micro pour que tu puisses essayer de revenir, mais... Je peux pas laisser la chambre de partage encore.
J'ai comme dans l'idée que je me suis trompé. J'ai 4 points de QRM, j'ai l'impression que c'est en train de monter de mon côté, au secours. J'entends pas, c'est tout ce que j'ai vraiment compris là de mon côté. Là, tu passes un point au-dessus du QRM, mais bon, le bruit est bien là dans le haut-parleur. Ah bah oui, voilà, je sais pourquoi. Il faudrait que je demande à Eric qui me prête là son haut-parleur filtre. Hachi. Au fait, il n'est pas là ce soir, donc bon, bah c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que là, c'est pas évident. Puis c'est vrai que tout à l'heure, je crois que le QRM m'arrivait à 2-3, il me semble. Là, maintenant, c'est à 4. Donc c'est parti pour monter. Alors, j'ai dans l'idée que j'ai peut-être intérêt à pas trop traîner là sur le QSO avant de plus entendre qui que ce soit. Donc, je vais envoyer les bonnes 113-51 à vous tous. Bonne continuité là, de QSO de votre côté, car là d'ici peu, je n'ai plus entendu personne. Et puis, bon week-end, puisque demain soir, je suis avec FCBA 33 et ERCI. Là, on est tous ensemble là, à faire la fête. Merci pour ce QSO, dommage pour le QRM, enfin bon, ça fait partie des aléas de la radio, c'est comme ça, on fait avec, et on s'amuse. Hachi, les 73, et merci pour ce QSO, avant que le QRM monte de trop. Quoi. Ok, ouais, c'est un bon QRM de 4. Les 73 et 73 XAV, mais là, je suis pas sûr du tout d'arriver à t'entendre. Je vais remettre l'écouteur là, du WebSDR dans l'oreille, là, pour arriver à sortir quelque chose. Donc, les bonnes 73 à tous. 73 Michel aussi, que j'oublie pas derrière. Et bon week-end. Ouais, j'ai les 73 retournés, Xav, bye, Michel, bye aussi, bon week-end.